Problème actuel, solution intemporelle. Bonjour à vous et bienvenue encore une fois au Timeless Podcast, émission qui est spécialement design pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur la réalité intemporelle, cette réalité qui est invisible mais qu'on sait qu'il est réel. Alors grâce à cette émission, je reste à croire que vous allez être de ceux qui vont pouvoir trouver énormément de bénéfices à travers des conseils pratiques, des conseils que vous allez pouvoir utiliser et de faire en sorte que votre vie que votre vie soit victorieuse. Que votre vie soit victorieuse. Évidemment, on parle ici de développement plus spirituel. Alors, si vous êtes une personne qui n'est pas croyante, vous êtes une personne qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie, que pour vous c'est juste des histoires, cela, mais je vous invite à pouvoir être quand même attentif à tout ce qui va se dire, parce que tout ce qui va se dire auront quand même un impact sur votre vie et sur ce que vous allez entreprendre durant votre journée. Alors aujourd'hui, nous, 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 nous allons vous parler par rapport à l'épisode 4, qui est vos déclarations. L'épisode 4 sera vos déclarations, l'importance des déclarations. Et l'objectif de cet épisode est de programmer nos déclarations dans la direction de notre destinée. C'est de programmer nos déclarations dans la direction de notre destinée. nos déclarations sont une arme. nos déclarations sont une arme. c'est une arme. le plus que tu, vous allez commencer à, à comprendre l'importance des déclarations, je vous le garantis que après euh, cet épisode, vous allez pouvoir utiliser euh, les déclarations de manière plus efficace. mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que notre ignorance, l'ignorance que nous avons, euh, occupe une grande place dans nos pensées. Et ce que ça fait, c'est que ça paralyse toute l'efficacité que devrait avoir notre bouche. Vous savez, notre bouche est si petite. La bouche que tu vois là, c'est petit. Ta langue, c'est petit. Mais les répercussions et l'impact que ça a est majeur et grand. Votre bouche peut vous sauver la vie, tout comme votre bouche peut détruire votre, euh, votre vie. Je répète, votre bouche peut sauver votre vie, tout comme votre bouche peut détruire votre vie. Combien de personnes détruisent leur vie par une déclaration? Combien de personnes manipulent leur vie de manière négative par une déclaration par rapport à ce qui sort de leur bouche? Et combien de personnes construisent de nouvelles relations? Combien de personnes sont en mesure de mieux structurer leur vie grâce à la déclaration qui sort de leur bouche. Alors celui qui sait contrôler sa bouche est un homme ou une femme sage. Une vie de victoire commence par ta bouche. Ah, je répète. Une vie de victoire commence par ta bouche. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a été victorieux dans toutes les sphères de sa vie et qui n'était pas en mesure de pouvoir avoir un contrôle sur sa bouche. Toute personne qui a, un, a une vie de victoire, qui est un victeur dans, dans, dans ce qu'il fait, qui n'est pas une victime de sa vie, mais tu vas remarquer que cette personne-là sait comment utiliser sa bouche. Toute personne qui connaît la puissance des déclarations aura un avantage sur beaucoup de gens et des circonstances toute personne qui connaît la puissance des déclarations et ici lorsque je parle de personne ici là que ce soit dans le, bien, dans le bien comme dans le mauvais que ce soit c'est quelqu'un qui, 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 qui est de dieu tout comme c'est quelqu'un qui pratique l'occultisme. peu importe la personne la personne qui connaît la puissance des déclarations sera une personne qui aura un avantage sur des individus et sur des circonstances. Alors, tous croyants pourront augmenter la puissance et l'efficacité de leurs déclarations à travers ces trois principes intemporels que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Tous croyants, tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus dans leur vie et aussi toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, je crois qu'à travers ce qui va être dit, tu vas pouvoir trouver énormément de bénéfices et évidemment de cela, prendre une décision pour aller suivre notre seigneur tous croyants pourront augmenter la puissance et l'efficacité de leurs déclarations à travers ces trois principes intemporels alors les trois principes intemporels avant même que je parle des principes intemporels toi qui m'écoutes je veux que tu comprennes que les mots ont une puissance les mots qui sortent de ta bouche nous sommes sur cette planète les seuls êtres vivants, lorsqu'on parle d'êtres vivants ici, on parle de plantes, on parle d'animaux, on parle de différentes euh, entités vivantes, que nous sommes les seuls qui ont la capacité de parler. Mais je sais qu'il y en a qui sont des cimates des, des et qui vont me dire oh, Mais Manfred, les perroquets parlent aussi. Regarde, <laughs> je ne parle pas de cela ici. Les perroquets répètent des sons, mais ils ne parlent pas, ils articulent pas, tout comme un être humain qui veut dire ils articulent pas à travers leur pensée pour dire quelque chose. Ça c'est uniquement les hommes, uniquement les êtres humains. Lorsque je dis hommes ici encore une fois, hommes et femmes, c'est uniquement nous comme êtres vivants qui ont la capacité de pouvoir déclarer des mots. Mais aussi qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi C'est que les mots que tu dis ont une substance les mots que tu dis ont un, ont un pouvoir. Les mots que tu dis ont la capacité de changer des choses, que ce soit dans ce qui est visible ou invisible. Et le plus que tu vas être imbibé de cette révélation, mais tu vas voir que maintenant, quand tu vas parler, tu vas pas juste parler pour parler. Tu vas pas juste être quelqu'un qui, qui gaspille ces mots. <laughs> Tu ne vas pas juste être une personne qui, 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 qui aime parler juste pour parler, mais tu vas être une personne maintenant qui parle avec efficacité, qui parle en sachant que mes paroles peuvent avoir une conséquence, mes paroles peuvent changer les circonstances, mes paroles peuvent faire quelque chose, que ce soit dans ma vie ou ce qui, qui m'entoure. Alors toi, pendant que tu commences ta journée, déjà commence déjà à penser à cela par rapport aux déclarations. Et je vous invite même à retourner dans l'épisode 3 et de répéter, de déclarer les affirmations que je vous avais dites concernant le fait de, de, pouvoir, de pouvoir déclarer qui que tu es hors du temps, qui que tu es dans le monde intemporel. Si tu n'avais pas de passé et si tu n'avais pas de futur, qui serais-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans le présent éternel? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui que tu es? Alors je vous ai donné une liste. Pour, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite encore une fois à retourner dans l'épisode 3 et de déclarer des choses comme Je suis un dispensateur des mystères de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis béni dans la ville. Je suis un roi et un sacrificateur pour Dieu. Je suis un homme de puissance et d'autorité. Je suis un homme docile et humble. Je mange la meilleure production du pays. Tout ce genre de déclarations ont une incidence dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que je vous invite faire ce type d'exercice. Alors, les amis, comment augmenter la puissance et l'efficacité de nos déclarations? Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Manfred, je déclare tout le temps, là, je déclare des choses, j'aime ça déclarer des choses. Oui, tu déclares des choses, mais est-ce que ces choses-là portent une substance? Est-ce que, est-ce que tes déclarations sont vides de sens ou est-ce qu'ils sont remplis de substance? Est-ce que tes déclarations sont, sont vides ou est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils sont remplis de la présence de Dieu? Est-ce qu'ils sont pleins de la réalité qui se passe dans le monde intemporel? Mais le plus que tu sais cela, tu vas voir qu'il y aura une efficacité dans ce que tu dis. Il y aura une efficacité. Alors, quels sont ces trois principes intemporels? Le premier principe, c'est que votre bouche porte une épée. Hum. Votre bouche porte une épée. Aïe. Votre bouche, ce n'est pas juste des lèvres, puis là tu vois une dit lèvres. Puis là, non, ce n'est pas juste ça. Votre bouche porte une épée. Et j'aimerais que vous soyez pleinement conscient de cette réalité-là. Et nous allons aller selon la parole de Dieu par rapport à cette réalité-là. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 1, le verset 16, ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous parle de, du Seigneur qui était mort et qui maintenant est ressuscité. Et qui maintenant est dans cette réalité intemporelle et qui nous manifeste maintenant sa vraie identité. Et ça nous décrit qui il est. Il est plus juste un, 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 un petit agneau. Il est plus juste une brebis. Il est plus juste l'homme qui marchait. puis là, on était capable de, de, de le flager. Non! Il, est, il était plus là, là. Il y avait cette stature de roi. Il y avait cette autorité-là. Que aucun démon, démon de l'enfer ne pourrait subsister dans sa présence. Et ça nous, il nous donne une description de qui il est et je vais vous expliquer le lien avec nous juste après. Dans Apocalypse 1, 16 ça dit il avait dans sa main droite sept étoiles. Et je vais pas vous expliquer la signification de ce mystère là, mais il avait dans sa main droite sept étoiles et voici ce qui est important de sa bouche de sa bouche sortait une épée aiguë. Une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force sa bouche de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants la parole de Dieu nous dit aussi que tel il est tel nous sommes tel il est tel nous sommes Tel il est ici, c'est on ne parle pas du passé et on ne parle pas du futur. On parle du présent. On parle du présent. Toi qui m'écoutes, on parle du présent. Qui veut dire comment est Jésus-Christ dans l'éternel présent, dans le monde intemporel. C'est ainsi que toi, tu es ainsi dans le monde intemporel. Dans le monde intemporel, toi aussi tu as une épée. Dans le monde intemporel, toi aussi tu brilles. Dans le monde intemporel, toi aussi tu es comme lui. Aïe, aïe, aïe. Dans le monde est temporel, toi qui as été ressuscité et tu as été assis à la droite de Christ, toi aussi, tes yeux sont comme des flammes de feu. Peut-être tu ne vois pas encore cette réalité-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est pas à cause que tu ne le vois pas qu'elle n'existe pas. Tu dois le croire avant de le voir. Tu dois le croire pour commencer à accélérer cette réalité-là dans ta vie temporelle. Votre bouche porte une épée. Et le plus que tu réalises que ma bouche a une épée, mais le plus que maintenant tu es capable de l'utiliser. Là maintenant, je veux que vous compreniez là, que cette, notre bouche et, notre, et nos, nos lèvres et notre langue ont une puissance. La parole de Dieu nous dit toujours, dans Proverbe 18, le verset 21, ça dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de la langue. Mais j'aime qu'est-ce que ça dit après Ça dit, quiconque l'aime, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vlad, ça veut dire que lorsque je sais le pouvoir de ma langue, je suis capable de l'utiliser. Lorsque je connais le pouvoir de ma langue, je suis capable de commander la mort, tout comme je suis capable de commander la vie. Allez demander à des sorciers, allez demander à ceux qui pratiquent l'occultisme. Lorsqu'ils curse, lorsqu'ils maudissent quelqu'un, ils savent que la chose qu'ils disent, ils doivent se passer. C'est pour ça que lorsque toi, qui es un enfant de Dieu, tu as cette Capacité maintenant de comprendre que ta bouche a une épée. Lorsqu'on te curse, tu dois renverser ce curse et dire Satan, le diable, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est une épée. Ça, c'est de savoir que tu attaques l'ennemi avec une puissance qui sort de ta bouche. Tes déclarations auront une efficacité. Lorsque tu vas comprendre que de ta bouche sort une épée, que lorsque tu parles, que tu décrètes, que tu donnes quelque chose, tu dis quelque chose, mais la chose que tu dis, il doit avoir quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que c'est n'est pas bon de juste gaspiller ces mots. C'est pas bon de juste dire des choses. Un, oh my God, un être humain n'a pas été créé pour juste parler. Oh, Mado un être humain, celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'a pas été juste créé pour juste parler, dire des mots vides. Lorsque Adam avant qu'il pêche, lorsqu'il parlait et qu'il disait qu'un chien est un chien, ce chien là rentrait dans l'identité de ce qu'il a dit. My God, lorsque tu déclares quelque chose, il doit avoir quelque chose qui se passe. Tout comme Dieu lorsque Dieu a dit, my, lorsque Dieu a dit que telle chose soit et la chose se faisait. Mais Dieu veut la même chose pour nous en tant que ses enfants qu'on arrive à réaliser que de notre bouche doit sortir la vie, que de notre bouche doit sortir la vie, la vie, la vie en abondance. La parole de Dieu nous dit que 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 des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein qui veut dire l'esprit qui habite en toi veut se manifester l'esprit qui habite en toi veut s'exprimer mais tout cela c'est lorsque tu vas comprendre que ta bouche a une épée que ta bouche est une épée à deux tranchants lorsque tu commences tes journées avec cette conscience là que que, que ma bouche aujourd'hui ce que ma bouche aujourd'hui pourra briser ce que, ce que l'ennemi avait planifié pour ma journée, que ma bouche aujourd'hui pourra bénir ma journée, que ma bouche aujourd'hui où, où ce que mon patron avait planifié, que, 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 que quelque chose arrive, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe de différent à cause que ma bouche, j'ai utilisé cette arme offensive pour faire quelque chose. Votre bouche possède une épée. Deuxième principe. Ah, deuxième principe. Votre, vos mots, pardon, vos mots doivent devenir des lois. Vos mots doivent devenir des lois. Qu'est-ce que je veux dire par cela encore une fois je veux me baser sur qui que je suis et qui que tu es toi qui est un enfant de Dieu qui que tu es dans la réalité intemporelle qui que tu es tu es un roi et un sacrificateur pour Dieu ça, c'est ta réalité. Mais Manfred, je n'ai pas de couronne. Mais Manfred, je n'ai pas, pas de chaise confortable qui dit que je suis un roi. Manfred, je struggle à chaque jour. Manfred, je regarde mon compte en banque et je suis à moins 66. Manfred, je n'ai rien qui démontre visiblement que je suis un roi. Qu'est-ce qui te dit que je suis un roi? Manfred, arrête de mentir. <laughs> non. La réalité ici, c'est justement ça. C'est le fait que selon comment que Dieu te voit, pas selon comment que ton miroir te dit que tu es, pas selon les chiffres que tu vois dans ton compte en banque, pas selon cette fausse réalité, pas selon cette fausse réalité, mais selon la vraie réalité, Dieu te dit que tu es un roi et un sacrificateur pour lui. Ça, ça veut dire quoi maintenant en lien avec ce principe intemporel Ça veut dire que si je suis un roi, les rois, qu'est-ce qu'ils font Ils décrètent. La chose arrive et elle existe. Les rois décrètent. Ils disent quelque chose et ça doit se passer. Vous savez, certains pourraient me poser la question, quelle est la différence entre un décret et une déclaration quelle est la différence entre un décret et une déclaration Un décret ici, c'est une loi établie. Une loi établie et promulguée par un organe ou une personne de haut pouvoir exécutif et compétent. Je répète, la différence entre un décret et une déclaration est qu'un décret est une loi établi et promulgué par un organe ou une personne de haut pouvoir exécutif et compétent. Ça, ça veut dire que maintenant, ça n'a rien à voir avec ton aspect temporel. Ça a tout à voir avec qui que tu, avec qui que tu es, qui que tu es, intemporellement. Ça veut dire le plus que tu comprends qui que tu es intemporellement, mais le plus que maintenant cette révélation que tes mots doivent devenir des lois comme ce qu'un roi est capable de faire, mais c'est ainsi que là tu enclenches l'efficacité de ta déclaration. Ça dit dans Matthieu 15, le verset 11. Ça dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur mais c'est ce qui sort de sa bouche voilà ce qui rend l'homme impur ça c'est le seigneur qui est en train de nous parler de l'importance de ce qui sort de notre bouche ce qui veut dire si c'est possible que par ce qui sort de ta bouche que l'impureté t'envahit que par ce qui sort de ta bouche que tu sois loin de dieu que par ce qui sort de ta bouche au lieu d'aller dans la route vers la vie mais tu vas dans la route vers la mort et la parole de Dieu nous dit toujours, dans Proverbe 13, le verset 3, ça nous dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il garde son âme. Ce qui veut dire, il y, a un lien entre ton, oh, il y a un lien entre ton âme et ta bouche. Il y a un lien entre ton âme et ta bouche. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte qui veut dire lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es arrogant et que tu es capable de ouvrir ta bouche bien large et t'es capable de dire des grandes choses qui sont pas vraies. Mais ça qu'est-ce que tu es en train de faire Tu en train de court-circuiter comment que ta bouche devrait opérer techniquement parce que ta bouche est appelée à opérer d'une certaine manière. Ta bouche est appelée à décréter des choses qui vont faire avancer le royaume de Dieu. Où est que le royaume de Dieu est C'est où ce qu'il y a de la lumière. Mais ben, où ce que tu vois qu'il y a beaucoup de ténèbres, c'est parce que ta ta bouche qui devrait déclarer la lumière ta bouche qui devrait propager la lumière ta bouche qui devrait amener l'autorité de Dieu dans ce secteur malheureusement à cause maintenant on a ouvert nos grandes lèvres et on a dit un paquet de choses et on n'a pas mis, on n'a pas pris notre notre bouche en bride on l'a pas contrôlé mais ça fait en sorte que malheureusement la puissance et l'efficacité que ta bouche devrait avoir tu l'as pas et que là qu'est-ce qui arrive c'est que tu tombes comme une victime des ruses du diable, et ça fait en sorte que malheureusement, quand tu commences tes journées, quand tu fonctionnes et opères dans tes journées, tu fonctionnes en victime et non en victeur. Vos mots doivent devenir des lois. C'est des choses que moi, personnellement, euh, j'essaye de constamment faire dans, dans ma vie de tous les jours c'est de faire en sorte que, que si je dis que je vais faire quelque chose, je le poursuis. Ah! Si je dis que je vais faire quelque chose, je le poursuis. Parce que lorsqu'un roi parle, il y a quelque chose qu'il poursuit. Lorsqu'un roi dit, OK, cette, euh, telle personne, malheureusement, ben, il ne dit pas malheureusement, telle personne va mourir demain. Là. OK, non, la personne, telle personne va mourir demain, il y a des agents, il y a des, il y a des soldats, il y a, il y a tout un régiment qui vont aller exécuter cette parole-là. Lorsque pharaon parlait et qu'il disait telle chose, la chose qu'il disait il devenait une loi, c'était écrit. Ça devenait une loi, c'était écrit. Mais ça doit, être, ça doit devenir la même chose pour vous. Et ça, vous devez vous entraîner à le faire. Ce qui veut dire si vous êtes une personne qui est connue ou ce que, ou ce que vos pensées, vos paroles et vos actions sont sont, sont trois étrangers. <laughs> que vos pensées, vos paroles et vos actions sont trois étrangers, il y a un problème. Vos pensées, vos paroles et vos actions doivent former un seul. C'est ce qu'on appelle devenir un homme ou une femme intègre. Ça veut dire que si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Si je dis que je vais voir telle personne, je vais le voir. Si j'ai dit que je vais exécuter telle chose, je le fais. Le plus que tu entraînes ça, mais ça, ça va faire en sorte que maintenant, l'efficacité de tes déclarations, lorsque tu vas déclarer quelque chose, dans le monde invisible, ils, ils vont savoir que tu n'es pas une personne qui va juste parler pour parler, mais que tu es une personne, que lorsque tu déclares des choses, les choses doivent se passer. Vos mots doivent devenir des lois. Et le troisième, le troisième principe intemporel, <laughs> j'ai failli dire que c'est mon préféré, mais bon, je n'ai pas, pas de préféré, mais quand même celui-là, je l'aime beaucoup, c'est l'illumination allumera le feu de vos déclarations. L'illumination allumera le feu de vos déclarations. Lorsque je parle d'illumination ici, je ne parle pas de, de l'aspect bouddhiste, la, je ne parle pas de, 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 de ces choses-là, je ne parle pas de ça du tout. Parce que lorsqu'on va dans la parole de Dieu, on va dans euh, le livre, euh, ou plutôt la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17 à 18, ça, on, on, je, je vais lire pour vous, ça dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine et qu'il illumine, et qu'il illumine les yeux de votre intelligence, les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur. Pour que quoi, pour que quoi, pour que vous sachiez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pour que vous sachiez, c'est le mot ici, sachez, qui est vraiment important, qui veut dire lorsque tu es illuminé, ça veut dire que tu connais des choses. Lorsque tu es illuminé, tu comprends des choses. Lorsque tu es illuminé, tu ne fonctionnes pas de manière oisif, tu ne fonctionnes pas de manière euh, léthargique, tu ne fonctionnes pas de manière passive, tu ne fonctionnes pas de manière vide. Ton cerveau est pas vide, tu pas juste comme un zombie, mais tu es quelqu'un qui, qui est rempli de vie, tu es quelqu'un qui est rempli de vigueur et tu es quelqu'un maintenant. Que lorsque tu déclares des choses, les choses que tu déclares, les choses que tu déclares doivent se passer. J'aime cette histoire dans le livre de Job. Un moment donné, on parle de Job. À quel point que Job était un homme riche, un homme prospère. Mais c'était pas juste ça qui, qui m'étonnait par rapport à lui. C'était l'autorité qu'il portait. Le, 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 chapitre 29 dans, dans, le livre de Job. Le chapitre 29 nous, nous décrit qui, comment était Job. Job avait tellement une autorité que, que les vieillards, lorsqu'ils, lorsqu'il passaient, les vieillards qui étaient assis devaient se lever. Que les princes, lorsqu'ils parlaient, puis que Job passait, ils, se teignaient. À cause de l'autorité que Job portait, à cause de ce qu'il habitait. Et Job nous explique qu'est-ce qui a amené cela. Vlad, il nous explique qu'est-ce qui a amené qu'il que, que, que y ait autant d'autorité dans son époque. Il arrive à dire, Job prit de nouveau la parole. Dans Job 29, le verset 3, euh, verset 1 à 3, ça dit Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé Là, il se rappelle qu'est-ce qui se passe, comment qui fonctionnait avant. Comme au jour où Dieu me gardait. Écoutez bien, écoutez bien le verset 3. Quand sa lampe brillait. Brillait où Brillait où Job Job, sa lampe, la lampe de Dieu. La lampe de Dieu brillait où Est-ce que ça brillait sur tes pieds euh, tout, tout comme David l'a dit, que, que tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Où est-ce que ça brillait Il dit, « Quand sa lampe brillait sur ma tête. » Oh !« Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. »« Que sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Oh, toi qui dors actuellement, ou, ou plutôt qui est réveillé, mais peut-être est couché là. Moi, je t'invite je à pouvoir te lever, si tu étais couché, à te lever. Et que tu mets ta main sur ta tête et que tu déclares et que tu dis que la lumière de Dieu, que la lampe de Dieu va briller sur ma tête. Au hein. oh, nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu va m'aider à prendre les décisions. Va m'aider à être loin durant cette journée. Au oh, nom puissant de Jésus. Ça, c'est une déclaration efficace. Ce n'est pas juste des paroles en l'air que tu lances, mais c'est une déclaration que tu lances dans le monde de l'esprit. Et que maintenant, ils comprennent que tu n'es pas juste un enfant, euh, un enfant vide de sens, mais que tu es un enfant de Dieu qui commence à être illuminé par la parole de Dieu. Et que tu es une personne maintenant qui comprend la puissance des déclarations. Oui, je t'invite à, à être cet homme. Je t'invite à être cette femme qui refuse que sa bouche soit remplie de juste des choses que tu vas déclarer sur Instagram. Et que tu vas dire à quel point que tu aimes telle vedette, que tu aimes Kadibi, que tu aimes Bill. Oh, non, je refuse. Tu dois déclarer que ces modèles-là ne sont pas mes modèles. Je refuse ces gens-là. Et je veux être quelqu'un qui est temporel. Je veux être quelqu'un qui, qui, fait, qui fait plaisir à Dieu. Je veux être quelqu'un qui est un feu. Aïe! Lorsque tu es quelqu'un comme ça, lorsque tu es une personne comme ça, je te garantis que la puissance. Et l'efficacité de tes déclarations. Les gens vont commencer à te regarder, vont dire hey, cette personne-là est différente. Cette personne-là n'est plus pareille. Tu n'es plus pareille. S'il y a quelque chose que. Euh que j'aime entendre, il y a un de mes amis qui, 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 me dit souvent ça, qui me dit souvent ça, puis il me dit, Manfred, c'est comme si à chaque six mois t'es une autre personne, à chaque six mois t'es une autre personne, j'aimerais que toi qui m'écoute, que tu sois que, que tu sois ainsi, que à chaque six mois, tout comme à Paul, que, que tu puisses avoir une nouvelle version, une, une, un nouveau produit, quelque chose de différent, que si t'es pareil, ça doit, ça doit déranger dans ta profondeur. Pourquoi? Parce que le monde est temporel veut constamment te changer. Le monde où ce qu'est Dieu veut constamment te transformer. Le monde est temporel, veut rentrer dans le temps et t'amener à être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Toi qui m'écoutes, tes déclarations sont importantes. Tes déclarations peuvent amener ta famille à prospérer et à atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais espéré dans ta vie. Tout comme tes déclarations peuvent t'amener à sombrer dans une vie sèche une vie sèche, une vie pauvre, et tu peux avoir des millions de dollars, des milliers de dollars, et montrer à tout le monde que t'es prospère visiblement, mais qu'en dedans, en dedans t'es sèche, en dedans t'es pauvre. La parole de Dieu nous parlait de ça, que, que des fois il y a des gens qui vont dire qu'ils sont riches, mais pour de vrai en dedans, en dedans ils ne sont pas riches selon Dieu. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont déprimés, ils sont obligés de consommer alcool après alcool après alcool parce qu'ils ne sont pas capables de, 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 de balancer cette vie-là. Ils voient que lorsqu'ils sont à l'extérieur, lorsqu'ils sont aux, aux yeux des hommes, ils montrent une image. Mais lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont dans le monde intemporel justement, qu'ils sont seuls parce que quand tu es seul souvent, là il y a une réalité qui te Frappe, mais que là, là tu vois que, hé, hey, mais il manque quelque chose. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, et tu sens que t'es vide, tu sens que, man, there's more, il y a quelque chose de plus. C'est pas vrai que la vie doit juste être ça. Ok, j'ai écouté cet homme qui parle, mais euh, qu'est-ce qu'il dit Ça fait du sens, oui. J'aimerais aller plus loin. J'aimerais connaître cette réalité intemporelle. Si c'est toi, je t'invite encore une fois à pouvoir être de ceux qui vont prendre cette décision-là, d'accepter Jésus-Christ. Peut-être que tu n'es pas conscient de ça, et de qu ce qu'il a fait pour toi, mais il a souffert, il a, il a souffert tellement pour que tu rentres dans ce qu'on appelle la réalité intemporelle, dans cette réalité-là où ce que tu ne meurs jamais. Mais en même temps aussi, il te dit de prendre cette décision-là au sérieux et que tu dis, oui, je veux te donner ma vie, Seigneur. Lorsque tu prends cette décision-là, je te garantis je te mets au défi même de regretter cette décision-là. Il n'y a personne qui a pris cette décision-là au sérieux et que sa vie a été sans fruit. Personne. Et je t'invite à prendre cette décision et que tu puisses, tout comme je l'ai dit aujourd'hui, que tes déclarations aient une puissance et une efficacité, que tes déclarations ne soient pas des déclarations vides. Et comment ça va arriver? Je te l'ai dit, c'est premièrement que ta bouche, tu dois être conscient que ta bouche a une épée. Que cette épée-là est efficace. Mais comment elle est efficace? Je n'ai pas parlé trop aujourd'hui, mais tu dois le remplir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dois le remplir. Tu dois remplir tes pensées de la parole de Dieu. Et le plus que tu as ça, ton épée devient de plus en plus aiguisée. Après ça, deuxièmement, j'ai parlé que vos mots deviennent des lois. Que tes mots deviennent des lois, que tes mots deviennent lourds. Que quand que tu parles, tu n'es pas juste un individu qui fait, qui fait juste blaguer, qu'on te connaît juste comme un blagueur avec des mots vides. Mais que tu es une personne, ok, je suis capable, oui, je suis capable de... de quand c'est pour jouer, je suis capable de jouer. Mais quand que je dois être sérieux, là, je suis dans une autre dimension. Et troisièmement, c'est l'illumination. L'illumination allumera le feu de vos déclarations. Lorsque tu es illuminé, que tu comprends. Tu comprends les choses de Dieu. Tu comprends, oh, que ma bouche sert de ça. Tu comprends. Mais ce que ça fait, ça, c'est que ça allume le feu de ta déclaration. Qui veut dire, lorsque tu déclares, il y a un feu. Alors, je te remercie d'avoir écouté l'épisode 4, vos déclarations. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore.